paraît que Abe Lucas va venir enseigner ici à partir de cet été. Sans rire. J'ai rien, moi, contre le côté au bout du rouleau. Moi aussi, c'est fou. Et moi, c'est Rita Richards. Je suis ravie que vous soyez ici. C'est dingue, hein, j'ai même pas encore vu ce type, que j'en suis déjà jaloux. C'est toi qui as pas tant fait. Vous avez réussi, vous, à échanger de mots avec lui. Il est dans son monde. Il aime rester tranquille dans son coin. En faisant mes courses chez le caviste aujourd'hui, je sais à quel point vous aimez le single malt, donc... Il y a une différence entre un monde théorique basé sur un verbiage de merde philosophique et la réalité de la vie. J'y arrive plus depuis presque un an. C'est juste qu'il est fascinant, c'est un vrai génie, mais un écorché vif aussi. Je suis en panne d'écriture. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer. Il vous faut une muse. Bon sang, ce qu'il était intéressant et différent. Mais qu'est-ce qui vous prend, Abe? C'est quand même une leçon d'existentialisme plus efficace que celle d'Emmanuel. Vous êtes tout tremblant. Je dois faire une crise d'angoisse. J'espère seulement que tu ne t'attaches pas trop à lui. Tu comprends quand même que je puisse être jaloux, non? Alors là, c'est ridicule. La vérité, c'est que j'étais attirée par Abe, en dépit du fait que c'était une âme à la dérive. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ce qui se passe derrière moi? C'est à cet instant que ma vie a pris forme. Je suis complètement perdue. Il faut que j'arrête de te voir. Je veux te demander pardon pour les ennuis que je t'ai causés. Bon alors, de quoi s'agit-il ici? De morale? De choix? D'esthétique? Des aléas de la vie?